Depuis la construction de sa maison en 2011, Sully avait la volonté de réaliser dans son jardin un bassin à poissons rouges avec une rivière anglaise. Il y a un an, durant l'été 2017, il a débuté les travaux d'un petit point d'eau, mais la réalisation a vite évolué. Parallèlement à l'extraction de la terre, les forums sur Internet, la lecture de Koi Gazette et la prise de contact avec un professionnel de sa région ont tout changé. Lors de la visite de la pisciculture Saint-Maurat, il a découvert avec émerveillement et enthousiasme la beauté et la diversité des koi. Son propriétaire l'a patiemment accompagné dans la réalisation d'un bassin de 27 mètres cubes. Sully a réalisé une grande partie du chantier, ce qui a limité le coût financier. Mais Jean-Louis Christini a toujours été disponible pour lui donner tous les conseils techniques indispensables à la réalisation d'un tel projet. Un an après le premier coup de pelle, le bassin est en place, l'eau est bien filtrée et 10 koi s'y épanouissent. Son bilan est très positif. Durant cette année de réalisation, la passion a grandi car elle présente plusieurs facettes complémentaires et attrayantes. Avant tout, le bassin à koi reste un projet fortement évolutif, aussi bien sur le plan esthétique qu'au niveau de la qualité de l'eau. À ce point s'ajoute la recherche enthousiasmante de nouveaux koi. Enfin, la rencontre de passionnés, dont certains sont devenus de véritables copains, est une magnifique surprise qui dynamise sa passion. Pour terminer, les remerciements vont pour Jean-Louis Christini, qui a adapté la taille de son bassin à son budget. Il a rendu une copie sans erreur. Ses connaissances et son expérience ont évité de transformer le projet initial en galère. Il fait chaud, il fait très chaud. Bonjour jeunes gens. Ici, nous sommes chez Sully, qui nous accueille pour voir son bassin et ses koi, sa filtration. Ça y est, c'est parti. Sully, merci de nous accueillir chez toi pour nous montrer ton bassin. Bah avec plaisir. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu là, ce que l'on voit. Alors en fait, ce que j'ai fait pour la partie filtration du bassin, j'ai creusé ce petit local dans lequel on voit l'arrivée des trois retours du bassin, deux bandes de fond et un skimmer, le tout en diamètre 110 mm. L'ensemble arrive dans un filtre à grille qui va me filtrer à 200 micromètres les particules les plus grosses. Donc l'ensemble est gravitaire. C'est ensuite récupéré par deux pompes, donc je peux régler le débit et donc la puissance. C'est deux pompes qui vont. La première va renvoyer dans un super bide pour prolonger la filtration mécanique qui sera également accompagnée d'une filtration biologique pour descendre jusqu'à 15 micromètres à peu près. Et puis ensuite, ça part dans un filtre à douche avant de repartir dans le bassin. D'accord. Et la deuxième pompe, en fait, me permet surtout d'avoir un débit. Flow, quoi. Exactement. Là, je suis arrivé à 35 mètres cubes par heure pour un bassin qui fait 27 mètres cubes.
Après, dans la première chambre du filtre à grille, j'ai installé deux UV. Des UV immergés, oui. Voilà, des UV immergés qui me permettent d'atteindre à peu près 120 watts. D'accord. Les deux UV. J'ai également un petit dispositif qui est une résine, en fait. Pour les phosphates. Que j'ai installé pour contre les phosphates, parce que j'avais un taux de phosphate très élevé qui me générait des algues. Donc j'ai installé ça. C'est assez long à partir, mais bon, en un mois. C'est un pont de zingueur. Oui. Ça me permet, en quelques semaines, de faire baisser le taux de phosphate. Là, j'en ai quasiment plus. D'accord. Après, ce que j'avais mis dans cette chambre également pour l'hiver, c'était un échangeur thermique que j'ai relié à mon ballon thermodynamique. J'avais lu ça sur un article intéressant de Cueil Gazette qui permettait de récupérer l'énergie du ballon thermodynamique. Et pour pouvoir garder le bassin. Là, j'avais un bassin l'hiver. Alors, j'avais mis des plaques de polycarbonate de 32 mm, mais le bassin descendait à 12 degrés, vraiment au plus bas lorsqu'il faisait moins 10 dehors. Voilà. D'accord. Après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est la nécessité d'intervenir régulièrement pour nettoyer. Donc, j'ai modifié les dispositifs pour pouvoir partir en vacances. Ben, au moins une semaine. Voilà. L'idée, oui, c'était une semaine. Alors, j'ai installé pour le nettoyage du filtre à grille deux dispositifs qui sont commandés par le même système qui est réglé sur, en fait, des heures de déclenchement. D'accord. Un jet d'eau qui va nettoyer la grille avec la mise en route derrière d'une petite pompe qui va me vidanger. Voilà. Je fais ça 4 fois par jour pour l'instant. Ça marche très bien. La pompe est nécessaire parce que gravitairement, ça ne suffit pas. Donc la pompe remonte l'eau qui part ensuite dans les eaux usées des toilettes à l'intérieur de la maison. D'accord. Et puis, là, l'évolution, tu prévois une évolution là-dessus ou... Ah oui. Ouais. Là, ce que je voudrais, bon, on est toujours plus exigeant. Là, le bassin n'a qu'un an. Mais ce que je voudrais, c'est avoir une eau plus claire. Donc je voudrais... Bon, elle est claire quand même là. Elle est bien, mais je voudrais soulager le filtre à bide comme je prévois plus de coil. Donc je vais remplacer le filtre à grille par un filtre à tambour pour arriver à 60 micromètres avant le filtre à grille. Avant le filtre à bide. Et puis ce que je vais peut-être prévoir aussi, c'est aussi un ozoneur écumeur. D'accord. Voilà, pour avoir une eau la plus cristalline possible pour pouvoir profiter des coils. D'accord, d'accord. Bon, bah, on va aller voir les... Oui, avec plaisir. Alors nous voici dans la deuxième partie de ta filtration, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, donc on remarque en bas l'arrivée d'un tuyau de 100 mm qui est en fait la récupération de l'eau en sortie du filtre à grille par l'intermédiaire de la pompe. L'eau arrive dans la partie basse du superbide. On voit notamment un automate que j'ai installé qui me permet le nettoyage automatique du bide en fonction des heures que je choisis. Tu trouves que c'est un plus ? Ah, je trouve, oui, bien sûr, puisque du coup, je n'ai plus du tout à gérer le nettoyage du filtre à bide. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc, le nettoyage se fait à l'intérieur du bide. Le bide va permettre une filtration beaucoup plus fine que le filtre à grille, puisque les particules seront filtrées à hauteur de 5 micromètres. On peut filtrer jusqu'à 5 micromètres de diamètre de particules. Et ensuite, on récupère l'eau en sortie du bide, et puis ça va rentrer dans un autre filtre qui est un filtre à douche, à l'intérieur duquel on a des médias super bio. Oui. On a 4 étages de médias super bio qui vont me permettre d'aller encore plus loin dans le niveau de filtration. L'eau traverse ces 4 étages et ressort ensuite en partie basse à gauche, ce qui va me permettre ensuite un retour bassin. Entre le retour bassin par le tuyau de 100 mm et le filtre à douche, j'ai installé provisoirement, en attendant l'arrivée d'un ozoneur écumeur, 2 sorties avec des petits bulleurs qui vont me permettre de déprotéiner l'eau en faisant de l'écume et en m'enlevant toute la mousse. Ça fonctionne très bien puisque en fait, la mousse se concentre en partie supérieure de ces 2 tuyaux et je n'ai plus du tout de mousse dans le bassin. J'ai vraiment des périodes où l'écumeur fonctionne beaucoup. Oui, tu vois avec des moments où ça fonctionne très très bien. Quoi. Ouais. Ouais. En fonction des températures extérieures, des conditions d'humidité, l'écumeur joue son rôle et dans tous les cas. Puis derrière le douche aussi, ça permet, il y a beaucoup d'oxygène. Je pense que le douche fait énormément de travail puisque forcément, gravitairement, l'eau descend et donc arrive chargée. Et je suis très content de cette petite installation parce que temporairement, ça m'évite d'avoir des mousses. Des protéines dans le bassin. Des protéines en partie supérieure du bassin. Ce local technique très artisanal, je l'ai prévu plus grand parce que comme je vais acheter plus de coil, j'ai prévu de la marge. Je voudrais notamment pouvoir y installer à moyen terme un deuxième bide, un deuxième filtre à douche et un ozoneur écumeur.
Donc, comme l'on fait, on a pris l'habitude de le faire maintenant chez les gens qui ont la gentillesse de nous recevoir pour parler de leur bassin. Donc, est-ce que tu as un poisson, toi, qui te tient plus à cœur que les autres dans cette collection? Oui, il y en a 4 ou 5 que j'aime particulièrement. Celui qu'on a vu, le Doitsu Metallic Oshiba, je l'aime beaucoup parce que c'est un poisson qui évolue en fonction de la température de l'eau. Donc ce qui est agréable, c'est que l'été, il a tendance à être beaucoup plus foncé, gris foncé et orange soutenu. Presque bronze. Il y a une couleur cuivre bronze. Et à l'inverse, l'hiver, le gris devient blanc neige. Il est vraiment blanc neige. Et la couleur bronze s'éclaircit pour devenir orange pastel. Si je me souviens bien, c'est un poisson de chez Katsumi. Oui. Je dis si je m'en souviens bien parce qu'il me semble que c'est moi qui te l'ai vendu. Oui, tout à fait. On va pas jouer les hypocrites. Tout à fait. Donc c'est un poisson qui faisait quoi? Qui faisait 35 cm à peu près, 35-38? Oui, là il est à plus de 45 et comme je l'ai nourri 9 fois par jour, il a aussi beaucoup pris de body. C'est vraiment fortement étoffé en 6 mois. Là il est en pleine forme. Bon, c'est très bien, c'est un beau poisson. On voit qu'il a quand même pris des poissons pleins de qualité. Ah oui, bah, j'en suis très content, comme d'ailleurs les Go Sanke qu'on va voir à présent. On va en mettre un autre? Oui, je veux bien, oui. Allez. Alors, donc maintenant, une Kiko qui, ma foi, me surprend toujours parce que c'est vrai qu'on en voit assez peu. Oui, en fait, cette Kiko Kiryu, je l'ai achetée dès que, quand au mois d'octobre, tu as été au Japon et qu'en temps réel, tu publies les photos et les vidéos sur ton site. Dès que j'ai vu la photo, je t'ai contacté. Ouais. Pour 400 euros, j'ai pas hésité parce que une Kiko Kiryu avec ce blanc-là et la régularité des zones noires, j'ai trouvé absolument magnifique. C'est vrai qu'elle est très belle. Ça fait du coup, mois d'octobre, ça fait 8-10 mois que je l'ai. Et elle a pris 10 cm de long et elle a énormément pris également elle a body. Vraiment pris du body, ouais. Et là où je suis content, c'est que le blanc n'a pas bougé. Pareil, la tête que je trouvais absolument originale est restée splendide. Donc voilà, je suis très content de cet achat. Ouais, c'est vraiment un beau poisson. Et puis en plus, ça a bien poussé pour une Doitsu quand même. Hein. Oui, parce que les Doitsu, en général, ça pousse un peu moins, vite. Kiko Kiryu que j'ai, là, sont... Là, j'avoue que je suis assez surpris. Puis c'est vrai que le motif sur la tête, avec son marron ou noir, c'est assez rigolo. Non, j'en suis très content. Bon, bah tant mieux, c'est un beau poisson. Donc, tant de choses sanké Doitsu. Bah, toujours de chez notre ami Katsumi. Pourquoi? Pourquoi? Pour impressionner les copains, parce que quand ils viennent dans le bassin, tu peux leur montrer. Ouais, c'est définitivement la koi qui marque en fait le rond rouge qui est parfait, très rouge, avec le reste du corps noir et blanc. Le syndrome du rond rouge. C'est bon. C'est un très beau poisson, j'en suis très content. En Doitsu. Pareil, en Doitsu. Les couleurs, bien poussé également, Elle a bien poussé, les couleurs sont restées très tranchées, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est-à-dire que le blanc est neige, le rouge est sang. Et puis le noir est très beau, hein. Fumi est très beau. Le noir est en train de pousser et ça reste très équilibré. Je suis très très content de ce poisson. J'avais peur de l'évolution du rond, mais pour l'instant pour l'instant il est très très beau le marron. Il reste impeccable. Je pense que c'est un mâle. Elle pousse bien et puis c'est pareil, donc ça fait 10 mois que je l'ai, parce que je l'avais récupéré au mois de novembre près. Elle a pris aussi une dizaine de centimètres, beaucoup de body. Et c'est un poisson que je n'avais pas payé cher, je l'avais payé moins de 400 euros. Donc, ouais, c'est pas assez cher, super qualité, je suis d'accord. Je suis très content. Bon, bah, tant mieux, c'est parfait. C'est vrai que je suis content de l'évolution parce que vraiment c'est un poisson qui a vraiment bien évolué, quoi. Très très beau. Bah donc une Maruten Kohaku de chez Oshikin, si ma mémoire est bonne. Pareil, on achète un Nisai. Hein. Pareil, je l'avais acheté sur photo. C'est vraiment la photo qui m'avait séduite dans ce que tu avais envoyé lorsque tu étais au Japon au début du mois d'octobre. J'avais bien aimé le body. Tu m'avais dit que c'était une femelle et c'est vrai que le body avait tendance à vraiment prouver que c'était une femelle. Elle était déjà assez grosse puisqu'elle faisait plus de 40 cm lorsque je l'ai acheté. 400 euros, donc pour moi très bel achat parce que le blanc est resté magnifique, le rouge est en train de pousser, le Maruten évolue sur
sur sa tête. Et puis j'ai des zones rouges qui sont en train également de sortir. Elle est en train de pousser parce qu'elle mange. C'est une des coeilles qui mange. Ça a vraiment beaucoup poussé là. Ça pousse bien, oui. Le fait de leur donner peu, mais souvent, contribue à bien les faire aussi. Distributeur automatique. Nourrisseur automatique. Nourriture probiote là. J'en suis très très satisfait. Bon bah tant mieux. Et puis ouais, c'est vrai que c'est un poisson qui est vraiment impressionnante par sa taille. Enfin, de la croissance, les kohaku, bon, ça pousse vite. Hein. On sait, les gros sankés, ça pousse quand même en général plus vite que le reste. Mais là, c'est vraiment un poisson qui a poussé très très bien, puis qui est plutôt harmonieux. Quoi. Le marou n'est pas le plus parfait de la terre, mais je trouve que c'est pas grave. C'est quand même un ensemble qui reste très très beau, puis qui dégage une certaine impression de puissance. Quoi. C'est vraiment un poisson que je trouve un blanc absolument impeccable. Ouais. Bon, bah très bien. Bon, la choc. Donc, une petite showa, Chedainichi, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est une. Et elle est bonne. En fait, j'étais arrivé un petit peu tard à TPO du mois d'avril et en passant beaucoup de temps dans les bacs pour voir des koi qui pourraient me plaire, je suis tombé sur cette showa que je trouvais très originale parce que je la trouvais relativement complexe avec les zones rouges, noires, blanches. Donc, j'en ai discuté avec toi, c'est là où tu m'as expliqué qu'elle venait de Dainichi, donc je savais que la lignée pouvait. Participer à donner un koi. Ça peut prendre du temps. Ouais. Avec du potentiel. Et puis, du coup, je l'ai eu dans de très bonnes conditions parce que je l'ai payé très peu cher. J'ai pris le risque et j'en suis très content parce que en 4 mois, elle a doublé de volume. Elle a doublé de volume. C'est une des koi les plus demandeuses en nourriture. C'est impressionnant. C'est un poisson, je l'ai dit tout à l'heure, qui avait souffert pendant le voyage. Qui n'avait pas bien aimé le voyage Japon-France. C'était délicat. Ouais, c'était un peu délicat. Elle avait pris un peu d'ammoniaque, il faut être honnête. Et puis je l'avais gardé un peu comme ça en attendant de voir ce que ça pouvait se donner. Et c'est vrai que là, je suis agréablement surpris de voir ce qu'elle a pu faire. Parce que... Ouais, puis je suis content parce que c'est un poisson qui évolue. Donc parfois, il y a des zones rouges qui sortent, d'autres noires. Donc c'est très agréable de la regarder quotidiennement. Voilà. Ouais, d'accord. Très, très, plutôt... très content de cette cueille. Ouais. Attendre un petit peu encore parce que ça fait 15 cm de plus et puis ça peut être sympa. Quoi. Alors, Doi Tsusanke, chez un éleveur qu'on connaît quand même moins que les autres en général, puisque c'est Suzuki. Et c'est un vieil éleveur qui fait quelques Doi Tsu. Donc là, plutôt poisson très bien équilibré. Hein. Oui, c'était un poisson, j'avais hésité entre plusieurs. J'ai pris celui-ci notamment parce qu'il était bien équilibré. C'était un petit Nisai. J'ai pas payé cher, j'ai payé moins de 300 euros. J'en suis très content. Alors, c'est une koi qui reste plus timide que les autres. C'est un peu moins. Oui. Elle est plus en retrait, mais elle mange. Elle a quand même pris une dizaine de centimètres là. Et là où je suis content, c'est que le noir est en train de sortir. Elle est en train de s'équilibrer. Bien équilibrée. Et l'orange est en train de devenir beaucoup plus rouge intense et donc du coup ça contribue à la beauté de l'ensemble. De la couille. Ouais. Donc je suis vraiment très très content de cet achat. Ouais, c'est vraiment un beau poisson. Quoi. Ouais, c'est vrai que Suzuki, ouais, c'est pas un éleveur, on parle beaucoup, mais ma foi, bon, de temps à autre, c'est vrai qu'il a vraiment des. C'est quelqu'un maintenant qui commence à avoir quelques années. Hein. C'est pas tout jeune, le monsieur, mais il fait toujours quelques poissons assez sympathiques. Classique mais joli. Ouais, classique, moi, j'aime bien. Classique mais très très beau. Alors, une Benikiko, ma foi, fort costaud, hein. Un poisson qui doit avoir 4 ans maintenant, non? Oui, alors par contre, ça, c'est un poisson que j'ai acheté plus âgé, à l'âge de 3 ans. Ouais, sans ça, ouais. Puisque le risque des Benikiko, c'est l'évolution des couleurs les premières années. Ça peut. Donc là, j'ai préféré attendre Sansai pour être certain des couleurs que j'ai. Si tant est qu'on puisse être certain. Avoir un maximum de chance, ouais. Voilà. Exactement. Là, elle n'a pas bougé. Même le orange que je trouvais très joli a tendance à être encore plus intense. Ouais, au soleil, c'est absolument magnifique. Le gris s'est réduit. Motogoro est sympa. Elle a peu grandi. Je l'avais achetée déjà grande. Elle faisait 50 cm. Ouais, par contre, elle a énormément pris de body. Ouais, elle a pris du body. Là. Voilà, c'est un poisson très calme qui vient manger très régulièrement. Ouais, c'est bien. C'est un poisson qui, vraiment, au fil du temps, se développe de façon plutôt harmonieuse. Quoi. D'accord. Non, ouais. C'est plutôt joli. Ouais. Moi, je suis content. Bon, tant mieux. C'est le principal. Bah, Sully, merci de nous avoir reçus. Oui, enfin, c'est surtout merci à toi, Jean-Louis, parce que moi, il y a un an à peu près, j'ai eu l'idée de ce projet de bassin. Il y a un an, je n'y connaissais strictement rien. Hein. J'étais parti sur l'idée d'un bassin à poisson rouge. Et ce qui a été très agréable, on en est loin là. Je ne connaissais rien au monde des koi.
Et ce qui a été très agréable, c'est que tu as pris le temps de me suivre, de répondre à mes questions, de rester à mon rythme. Et aujourd'hui, un an plus tard, j'ai un début de bassin où j'ai des poissons en bonne santé. Alors, il reste plein de choses à faire, mais je suis déjà très très satisfait. J'en profite. C'est gentil, merci. Ouais, je suis vraiment très satisfait de cette aventure qui a un an d'âge et qui a permis de développer une passion importante chez moi. Bon, arrêtons les violons, hein, merci. Et puis, écoutez, pour ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur YouTube ou sur le site, hein, comme vous voulez. Enfin, les deux d'ailleurs, hein, c'est pas plus mal. Et puis à bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.